Bon, qui est chaud pour le 2? Vous êtes chaud pour le 2? Levez la main. Hop. Si vous levez pas la main pour le 2, il n'y aura pas. Hein. C'est comme ça, quoi. Je suis chaud pour Loom, quoi, c'était pas la question. Go, oui, allez, c'est parti. Les jeux installés. Alors, le 2, c'est lequel? C'est le Chuck Revenge, ok. Tout, 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 tout. Attendez, est-ce que je l'ai jamais lancé, hein, donc je pense qu'il va essayer de. Ah, déjà, je suis en plein écran. Ah, ah déjà, c'est mieux. Vous l'entendez ou pas? Attendez, je vous le capture. C'est barré. Barré ce con. Hop. Qu'est-ce que... Pourquoi ça s'affiche pas? Attendez, attendez, attendez. Alors, capture de jeu. Win, 2 points. Monkey Island 2. Net spécifique, Monkey Island 2. Le nom doit correspondre. On capture le curseur. On vire le merdier. Ok. Ah, voilà. Vous l'avez? Hop, hop, désolé parce que du coup c'était en 4K. Et il faut que je la déplace dans le bon merdier. Hop là! Vu comment c'est beau. Je le connais en entier, le 2. Ah, attention Twinsen, pas de spoil. Pas de spoil, pas de backseat s'il te plaît. Vraiment. J'ai envie d'en profiter, donc voilà, je sais, tu disais que ça allait être compliqué pour toi de pas tout balancer, mais j'y tiens vraiment. Perso, si je vais faire un top de mes point and click, bon, ça peut changer. Monkey Island 1, Gabriel Knight, Squirrel Noir, Dev the Tank Tackle, Gemini Rue. Après, on va pouvoir découvrir d'autres jeux, genre Dungeon Master, Chaos Return, The Beholder. Et Runaway, Dungeon Master, c'est le premier jeu où j'ai coincé une touche avec un rouleau de pièces de 1 franc pour monter les compétences selon les souvenirs de mon géniteur. Oh là là. Ah! Avorpal qui a trouvé le problème dans Blackwell. Allez, tout sur son stream, on se casse! C'était quoi du coup, Avorpal? Alors, how to play? Il faut que je move la mouse. Ok, ça devrait être ok. Interacting. Il faut que je pointe les trucs. Un objet est sélectionné. Faut. Press and hold. Faut que je clique et je reste appuyé sur le bouton droit. Ah, d'accord. Ok. Et après, je choisis le verbe. Ok. Object highlight. Mark quickly. Press the left and right mouse. Buttons together. Ah oui, le highlight. Le highlight. Je vais plus. Le page de traduction transformer le sharp en deux. Ah oui, d'accord.
Ah oui, c'est un peu. Putain, c'est fort, par contre, faut que je baisse le son. La mouse wheel pour l'inventaire. On peut combiner les objets. Un objet d'inventaire est sectionné, il apparaît sur le curseur, ok. On peut appuyer sur H pour avoir... Oui, alors le keyboard, franchement... Bon. Alors, les settings. Les subtitles, ouais. Classic mode voice dialogue. Ok. Mieux, hein. Le stream rame pas, hein. Tonio, au fait, est-ce que je peux poster le lien des Fine Game Monkey Island? Vas-y, essaye. Essaye de poster. Et j'accepterai le message si jamais ça passe pas. Au pire, tu te feras bannir parce que t'as... au pire, tu te feras bannir parce que t'as posté des liens alors que t'avais pas le droit, hein, c'est tout. Et Twinsen, pour répondre à ta question sur Full Throttle de façon plus complète, un mystérieux tisserand est beaucoup plus sexy pour moi qu'un biker rust. Ah merde, en fait, je le vois pas. Même ton message, je le vois pas. Tu peux me le mettre en... l'envoyer en Whisper, s'il te plaît. Et puis, comme ça, je le poste. Je sais même pas si tu peux m'envoyer des whispers en fait. Mais c'est chiant ça par contre. Dès qu'on clique ailleurs, ça vire le jeu. C'est relou. Quelqu'un sait c'est quoi le classic mode voice dialogue là? Dites si c'est chiant. Ok. Les contrôles, je les ai eus. Autoplay. Hop, les crédits. Ah ouais, il y a un modo. Vas-y, Cactus. Balance à Varpal. Bon, bah, on est parti. Tout le monde est prêt ou pas? Hop, c'est parti. Well, well, well. Guy Brush Threepwood, you do turn up in the strangest places. Hi, Elaine. Do you think you could help me out? How did you get into this mess? It's kind of a long story. Oh, that's okay. I've got time. Well, it all started on Scab Island. Some of my admiring fans had pressured me into telling my LeChuck evaporating story once again. Deep in the Caribbean, Scab Island. So I bust into the church and say, "Now you're in for it, you bilious bag of barnacle bait." The church cries, "Guybrush, have mercy! I can't take it anymore!" I think I know how he must have felt. Yeah, if I hear this story one more time, I'm gonna be crying myself. Don't you have any new stories? Well, actually, that's why I'm here on Scab Island. I'm on a whole new adventure. Growing a mustache? No, bigger than that. A beard? No. The biggest treasure of them all. A treasure so valuable and so well hidden that it haunts the dreams of every pirate on the seas. You mean... Big Whoop? None other. Then why'd you come here? There's no treasure on Scab Island. Well, I didn't know that before. Now I'm trying to charter a ship and look someplace else. When I return, I'll have riches galore and a whole new story. Or you'll have died trying. Either way, we won't have to hear about LeChuck anymore. Ha!
Those guys wouldn't know a good story even if they paid 50 bucks for it. When I find Big Whoop, I'll become a legend among pirates for generations to come. I can only charter a ship and get off this stinking island. Il est même pas en F... Putain, oui, j'ai pas fait... en fait, mais moi, je suis... Enfin, ouais, non... j'ai pas fait... j'ai absolument pas fait gaffe, en fait. Je suis parti à lire l'anglais, et c'était OK pour moi, quoi. Est-ce que F10 marche toujours? F10 marche pas. Pourquoi? Where do you think you're going, fancy pants? You ain't from these... je vais regarder, si... mais je suis pas sûr qu'il y ait du français. You gotta pay. F4. Bah non, F4 non plus. Cactus, ouais. Alt F4, ça marche bien. Attends, je teste. Genre, non, mais oui, j'ai pas fait gaffe. Non, mais vraiment, j'ai pas fait gaffe. Mais ouais, je vais regarder si il est dispo en français. Mais il y a forcément du FR. Bah, je sais pas en fait, sur le. Sur le 1, j'ai touché à rien, il était en FR. On va regarder. Bah, il y a pas d'option. Je suis sur la version GOG, ouais. La propriété du jeu sur Steam. Bah ouais, mais je l'ai sur GOG, alors... Du coup, c'est assez emmerdant. Les controls. Ah, c'est F1 pour switcher le mode, ici. On va regarder, on va save. Hop. On va regarder s'il y a dans les options de... autosave and quit, comme ça. On va regarder s'il y a dans les options... Ah, c'est toujours les... Là, c'est les mêmes options. Hein. C'est les mêmes options, ça. Dans les options de GOG, on va regarder s'il y a quelque chose. Je sais même pas s'il y a des options à GOG, en fait. Dans GOG. Alors, jouer. Alors, language setup. Hop. Save and exit. Bon, je crois que ça va être OK. Je crois que j'ai trouvé. Ah, regardez, ça a l'air d'être mieux. Double click on language setup in your installation, select in French, menu appears. En fait, tu peux juste cliquer avec le bouton droit sur le truc du jeu et t'as option supplémentaire, langue du jeu. Pas besoin d'aller chercher les exécutables au fin fond de ton arborescence. C'est directement dans le truc de GOG. Alors. Bien sûr, prends mon argent, je ne veux pas d'ennui. Tu vas m'y forcer minus. Je paye pour rien du tout, je suis un pirate. Bah, on va l'énerver, on va le vénérer un peu. Who's gonna make me, shorty? Tough guy, hein? Help! Please! Scream as loud as you want! Putain, il est vénère, hein? Police on Scab Island. On voit pas le jeu. Ah merde! Ah mais merde, quel con! Sorry. En fait, le nom de la fenêtre change. Est-ce que c'est mieux?
C'est marrant en fait, le nom de la fenêtre change quoi. Ouais, mais si on voit le jeu, je sais pas ce que vous racontez. Regardez ça. On voit les yeux un peu quoi. Moi j'ai. Oh, je peux pas tout faire. J'anime déjà, c'est pas mal hein. Bah voilà, maintenant tu vois sa tête. Tête est vénère aussi. Alors, qui maintient l'ordre et fait respecter la loi ? En même temps, si la police respectait la loi, ça se saurait. Hein ? Qui mange les beignets et maltraite les gens de passage ? Ah ! Jeu de gauche ! Regardez, il y a un jeu de gauche. Alors la première réponse, c'est de droite. Mais la deuxième réponse, c'est de gauche. Hein. C'est qui mange les beignets et maltraite les gens de passage. En ce moment, c'est ouais, c'est plus ça. Hein. S'il te plaît, pas dans mon nouveau manteau. Ok, pose-moi par terre, je te referai pas de mal. Et ben moi, je... voilà. Hey, you're loaded. This is my lucky night. Remember, wherever you go, on sea or on land, you can't ever hide from Largo La Grande. Largo La Grande. Tough town. I guess I should have got those traveler's checks. Regardez ça. Ils ont quand même fait du bon boulot. Hein. Les décors sont sympas. Hein. Alors attendez, maintenant je peux appuyer sur gauche et droite. Oh et regardez, gauche et droite, ça m'indique. Attention, regarde, tu peux faire quelque chose ici. Je peux regarder le panneau ou prendre le panneau. Je vais regarder le panneau d'abord. Welcome to Woodtick. No treasure hunting zone. Et je peux prendre le panneau. Oops, I think I broke the sign. Mais j'ai gagné une pelle. Et hein, pour ouvrir. Regardez ça, c'est la molette. Regardez ton inventaire avant l'argot. Non, j'ai pas regardé. Non, j'avais pas regardé l'inventaire avant. Ah, j'étais blindé, non? J'imagine que j'étais blindé. Des appels. Regardez l'appel. Thrifty dig for the treasure hunter on a budget. Ah mais putain, le... c'est tellement mieux en fait. Regardez, je peux... Ah, je peux... Ah, plus besoin de passer... T'avais la blinde de thunes sous plein de formes. Tout s'allume, ce serait trop simple, du coup. Ah oh non, c'est bien. Pas besoin de... Pas besoin de faire ça sur tout l'écran pour essayer de voir les trucs. Regarde ça, hop, les coutilles. La grenouille, hop, je sais qu'on peut rien faire. Hein. Je fais ça, puis hop là. Bon, on va rentrer dans la première porte. Hein. Petit calendrier. Des jambes de bois. La chaise, la porte. On dirait. Adibou. La porte. Que peux-tu faire avec la porte? Ah, je peux prendre la porte. Je pensais que j'allais regarder la porte, mais non. Avec la chaise, qu'est-ce que je peux faire? Je peux pousser la chaise. Tirer la chaise. Utiliser la chaise. Regarder la chaise ou prendre la chaise. Moi, je vais prendre la chaise. Moi, je veux utiliser la chaise. Je veux me foutre le cul dessus, moi. Alors, quel est le problème avec l'argot? Chouette tablier, c'est une sorte de cuisinier. Putain, mais qu'il est débile. Mais qu'il est débile. Alors, est-ce que sur le layout, est-ce que dans la barre de statut, la date, l'heure change? Est-ce que ça marche, ça? Ou est-ce que tout est vraiment planté? Non, 22h28. A priori, l'heure est OK. Ça, l'heure est OK. Très bien. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi-sèches?
Merde, je l'ai foiré. Putain, je l'ai foiré. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi-sèches ? Alors. What's the problem with that Largo guy? Qu'est-ce qu'il a, Largo ? Really goes against my grain. Ah, a priori, il fait chier tout le monde. Table out of him, but I don't have the guts. With all my tools, I'm still unable to create the one thing that could do this island some good. Like an all-night tattoo parlor? No. Like a voodoo doll of Largo Legrand. Ah. Oh. Ah. Ça parle de voodoo direct, quoi. Nice apron. Are you some sort of chef? No. I'm a woodsmith, which gives one of us an excuse for dressing funny. How much wood could a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? A woodchuck could chuck no amount of wood since a woodchuck can't chuck wood. Ah, c'est con qu'ils aient utilisé ça en fait. Parce que, ouais, en VO, voilà, c'est une référence au bois quoi. En français, on a 666 près, 666, 666 près. Ah. Et qui a un rapport avec le bois. Que tout le monde a compris ce que j'ai dit. 666 près, 666, 666 près. Bah ouais. Bah ouais, carrément. But if a woodchuck could chuck and woodchuck some amount of wood, what amount of wood would a woodchuck chuck? Even if a woodchuck could chuck wood, and even if a woodchuck would chuck wood, should a woodchuck chuck wood? A woodchuck should chuck if a woodchuck could chuck wood, as long as a woodchuck would chuck wood. Oh, shut up. I'd like to look around a bit. Sure thing. Nice sturdy workbench. Everything's laid out just how I need it. What a cute little stool. It's adjusted to my height. J'ai comme l'impression qu'il est pas très très prêteur, hein. Get away from there. No one touches her but me. Oh boy, it's Buzzsaw Girl. No one touches her but me. It says Woody. That's me. What do you think you're doing? It's not a toy. Hey, don't touch those. I need all of them. Oh no, you don't. Je suis tout piqué. What do you think you're doing? Alors, je crois que j'ai touché à tout, hein. Ah, les tabliers, le tabouret, ça. Bon, je sais qu'il faut faire une poupée vaudou. The Bloody Lip Bar and Grill. There's no glass in the window. Ok. J'arnaque le jeu direct, quoi. La vichysoise. The fire's out. Ok, donc faut sûrement rallumer le feu. It's too heavy. It's a cold potato and leek soup. Alors, le cuisto. On va parler un peu avec lui. Excuse me. Don't bug me. I'm cooking. He looks really into his cooking. All I can see is water. En même temps, t'es sur un bateau, hein. I hate fruit cocktail. Ugh, it's all cans of fruit cocktail. Ah non, il y en a une où c'est marqué salt. C'est pas... pas que du fruit, hein. Hey, hired help only. Better leave it there. Don't want to hurt business. No thanks. Too many bad memories of piano lessons.
I should've listened to my mother. I should've practiced. Excuse me. Yeah, boy? How's business? Alors. It's terrible. No one ever comes down here anymore. Ah. Marco's got all my regulars spooked. D'accord, donc l'argot c'est comme le mec qui bosse au moment. But I can't make the one thing that could really do this island some good. What's that? A voodoo doll of Largo LeGrand. Attention, leur voilà. Uh-oh. Give me my usual and put it in a real glass. Fork over the dough or you'll be serving Bloody Marys for a week. From your nose. That's all I have. Well, you better have more tomorrow, or we might have to move this dump to a new location. Like, say, the bottom of the ocean. Pas très sympa, hein? Boy, you just gave him all your money? I don't want to talk about it. Est-ce que je ramasse le vieux glavio ou pas? I don't want to touch it with my hands. Qu'est-ce qu'on a? I don't wanna gunk up the blade. Ah bah carrément. Ah oui. Hop. I can't dig that, daddy. D'accord. Bon. On va reparler au barman. Excuse me. Yeah, boy. Vous voulez voir ma cicatrice? Pas du don. Wanna see my scar? Depends. Is there a good story behind it? As a matter of fact, there is. It's a story of the ghost pirate LeChuck and his gruesome demise. Heard it. This is the one where he drinks too much root beer and burps so hard he explodes, right? Not exactly. I don't care much for stories that promote moderation in drinking. I do have a business to run, you know. Ah, le Video Game History Foundation a sorti un article qui récapitule leurs recherches dans le cadre de Monkey Island, en plus de l'interview avec Ron Gilbert. Avec des scènes coupées, des persos au design coupé notamment. Ah, ça doit être sympa. Grog, please. Shaken, not stirred. Maybe it like a Shirley Temple instead. Shaken, not stirred, c'est un truc de 007, ça. Tell you what, I'll let you have some near grog. Doesn't have any alcohol in it, but it's just as nasty smelling and foul tasting as that stuff grown-ups drink. Right on. Oh, wait. What am I saying? I just sold the last of it to Kate. Sorry. Rats. Of course, if you have some ID. I must have left my ID in my other pants. You'll have to do better than that. No ID, no service. Eh ben, dis donc. Eh. Yeah, boy. Who is this Kate person? Ah, the courageous Captain Kate Capsize. Tough as steel, sharp as nails. She rents her ship out, does some freelance pirating. Her only loyalty is to the highest bidder. Don't get on her bad side. Nice place you have here. Well, see ya. Nice. Hop. The Bloody Lip Bar and Grill. Help wanted. 1 week's salary in advance. Inquire below. Ah, du coup, je l'ai pas vu ça. Le DLC gratuit Dolores de Thimbleweed Park a eu son code source de publié. Ça permet de faire des jeux dans le même esprit si on connaît la programmation. Ah, chouette. Ah, faut que je le fasse d'ailleurs, Thimbleweed Park. Je l'ai. Le DLC aussi parce qu'il est gratos. Mais j'ai Thimbleweed Park. Ça pourrait être aussi un truc à faire. En termes de point and click. Effectivement, je l'avais commencé. J'ai fait les 5 premières minutes, je crois. Et j'avais arrêté, donc je pourrais le faire. Hello.
Hello. Ouais, je crois qu'il y a un truc à faire, non? Excuse me. Oh, yes. Hi there. Can I help you? Okay. I'm Guybrush Threepwood, LeChuck Busting Stud. Uh-huh. Bonjour, je m'en fous. Excuse me. Yes? Hi, I'm Guybrush. Who are you? Wally. Wally B. Feed. At your service. J'ai quelques questions. I have some questions about Scab Island. Why? Thinking about moving here? J'ai détesté l'ambiance de Thimbleweed Park et j'ai eu l'étonnement d'avoir une réponse sur Twitter de leur part sur mon sentiment. Alors que je les ai même pas tag ou utilisé de hashtag. Ah d'accord, mais et du coup t'avais dit quoi et qu'est-ce que t'as eu comme réponse? Parce que c'est plutôt cool que qu'ils te répondent en fait. Actually, I'm trying to get off it as soon as possible. Good luck. With the sailing embargo Largo's imposed on Scab, it's hard to get anywhere. Which doesn't help my business, let me tell you. You know anything about this Largo guy? He's just the local hood. Shakes down everybody in town. Nobody comes or goes from Scab because Largo makes them pay through the nose. Yeah, tell me about it. Where's the governor's mansion? There is no governor on Scab. This is an anarchist cooperative of pirates, cutthroats, and other criminals. A haven for roughnecks and rebels like me. The only authority on this island is that bully Largo. I'm looking for some room and board. Well, I hear there's a new chef down at the Bloody Lip. And the Swamp Rot Inn has all the comforts of the sea. But I think Largo's booked the whole thing. Thanks for the lowdown. Anytime. Do you know anything about Big Whoop? Uh-oh, who sent you here? I should warn you, I'm heavily armed. Ok, bonne ambiance. Et Cactus, quoi qu'il dit, j'ai bien aimé Thimbleweed Park perso, mais c'est sûr que c'est plus proche de Maniac Mansion que de Monkey Island. Du coup, Melzec, à un moment donné, les brisages de quatrième mur et la vulgarité, c'est mignon. Et que j'aimais bien que mes jeux me laissent jouer et immerger, un truc du genre. Ok. Ah, il y a beaucoup de quatrième mur, d'accord. C'est un truc qui m'a saoulé dans les films Deadpool. C'est ok les gars quoi, mais à un moment on a compris. Oui, effectivement, vous brisez le quatrième mur. On a pigé. Arrêtez d'en faire des caisses quoi. Et, deux ou trois clins d'œil, c'est sympa. Mais tout le temps quoi, c'est relou. Nobody sent me. I'm freelance. You better not try for my files. All my research on Big Whoop is in there. I'm looking for Big Whoop myself. Wanna help? I don't know if I'd be much help. I haven't really been able to find out much hard information. What do you know about it? La carte derrière, c'est Monkey Island. Cette carte-là, c'est Monkey Island. I know its location is a mystery. You mean you never heard of the four men who buried it? Alors, Deadpool est un personnage qui a conscience d'être un personnage de comic. Il a été reproché dans le 1 que ça ne soit pas assez mis en avant. Du coup, on a tartiné jusqu'à la nausée dans le 2. Oui, oui, non, je sais que voilà, Deadpool dans le comics, il sait qu'il est dans un comics. Et bah merci à Vorpal, bonne nuit, merci d'être passé. Comme d'hab, voilà, c'est toujours agréable de t'avoir sur le stream. Et Deadpool, il y a même des situations qui sont. J'avais lu ça, hein, j'ai pas lu de comics.
Mais des situations qui sont désamorcées parce que il dit bah ouais mais il y a ça en fait. Et lui il le sait parce que lui sait qu'il est dans un comics quoi. Donc il sait comment ça va se passer parce que il peut jouer là-dessus quoi. Il fait des références justement à des épisodes, enfin des numéros de comics et certaines pages quoi. Comment tu sors ça quoi ? Bah oui, bah c'était dans le numéro 32, page 4. Donc ça c'est assez marrant. Mais là ouais, même dans le 1 déjà, je trouve déjà qu'il y en a pas mal. Mais le 2 ouais, dans le 2 c'est la tartine quoi. Deadpool effectivement la poule morte ouais. No, tell me all about it. Well, all anyone knows for sure is that there was a shipwreck. The merchant vessel Elaine went down in a terrible storm. Elaine? Only 4 crew members survived. They washed up on a remote deserted island. Some say its name was Inky Island, but I don't believe that. Well, why don't you believe it? Because there's no such island. Anyway, that's where they supposedly found Big Whoop. But what is Big Whoop? Whatever it was so wonderful, or so horrible, that they never wanted anyone else to find it. So, they took the map they made of the island and split it up among the 4 of them, and they all went their separate ways. Where are they now? Well, I don't even know their names. I'd go look them up at the Fat City Library. If it weren't for this stupid Largo embargo. Of course, it could just be an old legend. But if I could just see the map of that island, I bet I could recognize the shape of the land and track it down myself. What exactly do you do here? I'm a cartographer. You do open heart surgery? In here? No. I'm the map-making sort of cartographer. Cartographer. Oh. What kind of maps do you make? Every kind a pirate could need. My eyes have seen the whole world, and there's not a part of it I haven't put down on paper. Maps are very, very important. Actually, I prefer to just stop and ask directions. That's what Magellan thought. Sorry. Cartographer joke. Quel con. Is longitude the sideways one or is that latitude? I can never remember which is which. It's so cute when you lay people try to understand geography. I could try to explain it, but it would probably just go over your head. You know, I could just sit and talk about maps all day. Hey, me too. Is that all you do? Make maps? Well, I do some restoration work too. I paste them together, recopy them, paint little cupids in the corners. Oh, you know, artsy-fartsy stuff. Maps are very, very important. I'm sure they are. Well, goodbye. Okie dokie. Tout à l'heure, il a posé son truc. Pose ton monocle. Where's my monocle? I can't see a thing without my monocle. Allez, tiens, pan. Where is that thing? I swear I put it right here. I've got enough. I hope I didn't lose it. I can't reach it. I'll never be able to afford a new one. I can't reach it. How am I supposed to work? Dang. It's too small. Reminds me of a dollhouse I once had. I mean, my, sister once had. I'm such a dope. Hop là. C'est pas très sympa quand même, hein. Oh là là. C'est moi où ils ont l'air un peu rebou là-haut.
Petite souris. Crochou. La boîte. Nice. On peut ouvrir une boîte. Ah ouais? Nice. It won't fit in my pocket. Ah! Nice. Ah, faudra sûrement que je mette quelque chose dedans. Pour choper le rat. Et le seau avec. Rien du tout. Hey, leave that alone. Sorry, is this your bucket? Well, no. So you won't mind if I take it? I guess not. Voilà. C'est les trois mecs du premier, ça? Parce que ouais, ils leur ressemblent. Hein. Ils leur ressemblent. Ouais. Hein. Ah bah oui, puis c'est le mec aura en fait. Avec que de temps passé, voilà. Remember me? I'm Guybrush. Do we know you? I'm Guybrush, the man who rid the world of LeChuck. Sure you are. No, really. Why did you wake us up, Gorbush? What are you guys doing up there? We're performing. That's right. Performing. That's what we do for a living now. You see, after our circus failed, we started a pirate catering business on nearby Fat Island. The Sacking Lunch. It was quite lucrative. Then what happened? The governor of the island made us an offer we, couldn't refuse. So, we sold him the business. What did you do with the money? We sank the money into one of those newfangled glass-bottom boats. We wanted to take passengers on sightseeing trips. And search for a place called Drinky Island in our spare time. Boy, did we ever want to get there. Drinky Island. Aside from the obvious reason, we had inside information that Drinky was in fact the resting place of the legendary treasure of Big Whoop. Big Whoop? I'm looking for that too. Well, I hope your luck is better than ours. You see, we got a bit of a raw deal on the boat. Seems the salesman didn't have any glass for the bottom, so we just left a gaping hole. we noticed we were taking on water. Bah oui, forcément. On a tiny desert island. How much longer is this story? We met a philosopher on the island, and he told us something which changed our lives. What? What is it? What did he say? Tell me already. He told us that all the world is a stage and that we are merely players. Wow. So we became performance artists. In our current work, we portray man's response to global environmental issues of a changing world. Putain. Ouais. How come you have to perform on that ledge? To show the precarious nature of the situation, so to speak. Right, right. Je pense que vous oubliez la symbolique potentielle à gagner par votre proximité à la Terre. I think you're overlooking the potential symbolism to be gained by your closeness to the Earth. But... All right, you got us. We're really up here because... Well, we're afraid to come down. Oh putain, merde, les What's mecs. What's the word for it, Frank? La saletéphobie, la crassophobie, la terre-fermaphobie, stupidity. Stupidity? It's the opposite of acrophobia. Something like
Orcaphobia. Peur des baleines tueuses? Peur des légumes étranges? On dirait plus la travaillophobie selon moi. Oh là 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 là. Ça y est, c'est de droite. Ça y est, c'est de nouveau de droite là. Sounds more like orcaphobia to me. Say what you will, we're not coming down. What happened to your leg? It happened during a performance. When he lost the leg, Frank was brilliantly showing the inseparability of the path man walks from the food chain. The symbolism of the cheese was essential. You know, this leg is looking sort of dingy. Would you get some polish over at the woodsmith's and polish it for me? Give me money for the polish. Okay. Yes, des sous. Is that your rat? Yes. We call him Munster Monster because of his insatiable passion for cheese. See you later. We can scarcely contain our anticipation. Ça roupille, hein. Ça roupille. Not responsible for lost buttons or hooks. No, we don't clean leather. No ticket, no laundry. It's sparkly clean. Not responsible for stains left on clothes. Bah ok, il est pas responsable de grand chose quoi. What do you know about Largo Legrand? I don't know anything about cargo or contraband. I'm clean, clean, clean. I'm clean. Who are you? Sure, Sonny, I can get out stew. That's easy. I can also extract grog, spit, and swamp mud. That's because I'm spit. Mad Marty. I'm mad about getting your clothes as clean as they can be. I got a laundry type question. Shoot. Would you be able to get out ketchup? Get out ketchup? What do you want me to do? Nothing. Get out ketchup. I got a laundry type question. Shoot. Do you do alterations here? Alterations? You mean change the numbers on your food stamps? You got some nerve. I'm sorry. Putain, il est sourd comme un pot, hein. I got a laundry type question. Shoot. Actually, nothing. I don't care about clean clothes. No, I don't have wheat loaves. I didn't think you would. I'd like to pick up some clothes. You have your claim ticket, Sonny. I must have left it in my other pants. Why'd you trade it for chocolate-covered ants? Putain. Oh là là. I'd like to pick up some clothes. You have your claim ticket, Sonny. It was stolen. Taking it bowling was a dumb thing to do. I'd like to pick up some clothes. Tous les faire, hein. You have your claim ticket, Sonny. I dropped it in my grog and it melted. Log welted it? Well, now that is a good excuse. But I can't give you your clothes without a claim ticket. I'd like to pick up some clothes. You have your claim ticket, Sonny. Mom threw it out when she cleaned my room. What? You beaned your mom with a broom? You should treat her better than that. I'd like to pick up some clothes. Prenez soin de vos mamans, les enfants. You have your claim ticket, Sonny. I lost it while being keel-hauled. Your dog got mauled? What does that have to do with a claim ticket? Oh, never mind. I'd like to pick up some clothes. Ouais, tous les offres. You have your claim ticket, Sonny. No, I don't have my claim ticket. You don't have to shout at me. I can hear you. I can't give you your clothes without a claim ticket. C'est le souvent les vieux qu'entendent plus, hein. Et quand on parle fort pour qu'ils entendent, c'est non, mais pas besoin de crier, hein, c'est bon. I'd like to pick up some clothes. You have your claim ticket, Sonny. No, I don't have my claim ticket. You don't have to shout at me. I can hear you, but I can't. Bon, faut que je trouve. I thought I wanted to talk to you. Un ticket.
Les 9 mois de développement sont là. Dans quoi? J'ai pas compris. Là, c'est le truc. Un autre batio. Il y a un bébé crocodile. C'est un alligator, désolé. Oh, isn't that cute? I could lose a finger doing that. I could lose a finger doing that. Ok, donc on va pas l'embêter. I don't think I'd get away with that. Hmm, only one guest. Yes, but that dang Largo eats like 30. I'd have to have a room first. You're supposed to leave these things open. Be with you in a second. Il est bien gentil. Ah, est-ce que je prends la corde? It's securely fastened. Oui, sur toutes les pas, d'accord, sur toutes les différentes répliques. Ouais, effectivement. Excuse me, I'd like a room, please. Sorry, we only have one and it's full. C'est quoi ce truc où ils ont qu'une chambre là? Hold it right there. That's ouais, j'allais a dire, private room. J'allais dire, il va pas vouloir. Ok. I don't think I get away with that. Be with you in a second. Ok, ça sert à rien. Busy guy. Time is money. Bon, a priori, pas grand chose à faire ici. Mais bon, je lui dis juste de regarder et Alors, je vais aller chez Oh merde. Can't I do anything right? Chez le forgeron là, il est où? C'est l'ébéniste, hein, je sais. Could I buy some wood polish? That's one piece of eight. Anything else? I'd like to look around a bit. Sure thing. Alors. If only I could use this stuff on my lines. It's blank. Everything looks all blurry. It's just a bucket. Sharp. Thrifty dig. For the treasure hunter on a budget. Ok, alors on va essayer de voir si on peut filer. Si ça fait quelque chose, si je lui en donne. Est-ce que c'est du trade ou est-ce qu'il y a autre chose? Hop. If only I could use this stuff on my lines. I think he wanted me to polish it for him. Nice. Nice. That wouldn't be wise. That doesn't seem to work. Thanks. Here's a piece of eight for your trouble. Cool. Et j'ai toujours la cire. Ok. Nice. J'ai de la cire. Juste là. Ouais. Ouais, je pense qu'on va s'arrêter ici pour ce soir. Je commence à être fatigué. Ouais, ça fait 3 heures que je stream déjà. C'est pas mal.
C'est pas mal. Hop, donc on va s'arrêter là. Je vais sauvegarder. Hop. Ouais. On aura trouvé comment mettre le jeu en français, c'est bien. Bon, ça commence un peu plus. Ça commence un peu plus doucement. Oh, mais Ezekiel qui est direct. Bah, bonne nuit. Bah, attends, on va discuter un peu. Même en tant que spectateur, il fatigue. Bah oui. Hop. Si vous avez vraiment pas envie de me parler, mais. Hop. Non, bah du coup, ouais, la fin du 1, c'était vraiment chouette. Je suis content d'avoir découvert. Je suis là, pas de soucis. Mais je suis vraiment content d'avoir découvert la série. En plus, avec vous, non, vraiment, je le redis, mais c'est. Pourquoi mon talking screen ressemble à ça ? Attendez. Qu'est-ce qui se passe ? Ah ! Ah ! Putain, t'as tout déconne aujourd'hui. Hein. Du coup, je me suis paumé. Je me suis paumé dans ce que je disais, je sais plus. Qu'est-ce que je racontais ? Donc ouais, non, le 1 était vraiment chouette. C'était cool de vous avoir aussi, voilà, pour raconter un petit peu comment vous voyez les jeux et avoir des anecdotes en plus, c'était vraiment cool. Donc le 2, ouais, tu me dis... Ah d'accord, le 2 est peut-être plus ouvert, ok. C'est un open world, le 2, par rapport au 1, quoi. Donc voilà, les graphismes, ouais, non, ça va vraiment chouette et tout. Donc voilà, pour ce soir, on va arrêter. Je vais juste regarder s'il n'y a pas quelqu'un qui est en live, histoire de faire un petit raid chez quelqu'un. Il y a un petit streamer qui s'appelle Zerator, là, qui n'a pas trop de monde. Je ne sais pas si vous connaissez. J'ai qui. Il y a Dolly qui est surtout Timbleweed Park. Donc, on va vous envoyer chez Dolly. Ça serait une excellente idée. Hop. Tac, tac. On va rester dans le point and click. Hein. Il est très bien écrit. T'as loupé la montagne de fric que tu avais dans ton inventaire, mais arrêtez de la perdre. Bah, je peux recommencer le jeu, hein, sinon. Voilà, bon, je vous envoie chez Dolly. Merci d'avoir été là. Ouais, non, mais il n'y a pas de soucis, Melzekiel, hein, je te demande pas de regarder le stream. Voilà, tu peux juste aller faire un petit coucou. Ça me va très bien. Sur ce, moi, je vous abandonne. Et puis, bah, à la prochaine. Des bisous.